Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique en deux du coup d'état contre Alpha Condé. Les forces vives des Guinées manifestent le 5 septembre à Conakry contre le CNRD. Pour plus d'informations en ce qui concerne ce sujet, notre correspondant à Conakry nous en dit plus. À travers une déclaration publiée ce dimanche 27 août 2023, les forces vives des Guinées annoncent une marche pacifique et citoyenne. Le 5 septembre 2023 à Conakry, c'est donc sans doute la manière pour les acteurs politiques et sociaux de Guinée d'exprimer leur colère contre la gestion cavalière du pays par la junte militaire du CNRD. Les forces vives tiennent à profiter du deuxième anniversaire du coup d'État pour exiger la rectification de la transition en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Alors, le décret a été très clair, la déclaration des forces vives des Guinées. Après 2 ans d'exercice du pouvoir par la junte guinéenne, la rupture avec le peuple de Guinée est complètement consommée tant que les engagements pris solennellement par le président du CNRD, le colonel Mamadou Doumbouya, ont été trahis et la transition dévouée à ses objectifs ultimes. Faire de la justice la boussole, l'action publique et la diligente, le retour à l'ordre constitutionnel par organisation des élections transparentes, libres et inclusives. Les forces vives de Guinée constatent qu'à date, aucune action concourante au retour à l'ordre constitutionnel n'a été réalisée. Il n'existe pas encore de projets de constitution, ni de code électoral, ni d'organes de gestion des élections, ni d'opérateurs techniques, ni des fiches électorales, ni des budgets réalistes des élections. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis si vous êtes intéressant. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.